Hello, j'espère que vous allez bien. Désolée de l'absence, mais comme vous entendez, je suis tombée malade il y a quelques jours et je suis pas encore tout à fait remise. Mais je voulais quand même vous partager une vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons partir en Suisse et je vais vous parler d'affaires de disparition. C'est une vidéo très courte car il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais j'espère tout de même qu'elle va vous plaire. Alors, installez-vous bien et c'est parti! Peter Pergesi est né le 28 janvier 1967. Le 22 septembre 1987, Peter, alors âgé de 14 ans, suit un cours de tennis de table dirigé par son père dans le bâtiment scolaire de Rizy à Watteville, à Saint-Gall. Vers 20 h, il quitte l'entraînement, mais il ne sera plus jamais revu. Son vélo et sa veste sont retrouvés abandonnés sous l'abri de vélo situé à la rue Friedhof à Watteville. À ce jour, Peter n'a toujours pas été retrouvé. Peter Roth est né le 7 novembre 1976 à Mogelsberg. Le 12 mai 1984, vers midi, Peter, âgé de 8 ans, rentre de l'école à Nassen pour rentrer au domicile de ses parents à Weiler-Aschmühli, une commune de Mogelsberg. Il est vu pour la dernière fois près de l'épicerie Vinteller, où il avait acheté des chips pour lui et un copain de classe. L'emballage vide des chips a été retrouvé près d'une grange située sur le chemin de l'école, à 300 mètres de son domicile. Plus aucune trace de Peter a été retrouvée. Une récompense de 10 000 francs a été offerte pour tout indice permettant d'éclaircir cette affaire. Mais encore à ce jour, ça n'a rien donné. Sylvie Beauvais est née le 1er mai 1973. Elle était épileptique et avait un handicap. Pendant la semaine, Sylvie vivait dans un foyer situé à la Rouvraie, une commune de Beauvais à Neuchâtel. Le 23 mai 1985, vers 19 h, Sylvie part en promenade avec une éducatrice et un autre enfant. Sur le chemin du retour, à environ 100 mètres d'une bifurcation conduisant au foyer, Sylvie marche à une trentaine de mètres d'avance de l'éducatrice et de l'autre enfant. L'éducatrice ramasse une couverture laissée par l'autre enfant. Elle perd alors Sylvie de vue à cause d'une courbe, mais elle suppose que Sylvie a rejoint la maison. Mais Sylvie ne s'y trouve pas. L'éducatrice entreprend immédiatement des recherches. Mais comme Sylvie reste introuvable, elle contacte alors la police. Les parents de Sylvie divorcée sont appelés le soir même. À ce moment-là, tout le monde pense que Sylvie s'est simplement perdue. Le lendemain, des témoins disent avoir vu Sylvie, dont un monsieur avec son tracteur. Il dit avoir vu Sylvie marcher au milieu d'un chemin, mais il ne s'est pas inquiété. Malgré de nombreuses recherches, on ne retrouve pas la moindre trace de Sylvie. À ce jour, Sylvie n'a toujours pas été retrouvée. Sarah Auberçon, j'en ai déjà d'ailleurs parlé sur ma chaîne, je vous remettrai le lien, est née le 13 décembre 1979 à Saxon, dans le Valais. Le 28 septembre 1985, Sarah, âgée de 6 ans, quitte son domicile à Saxon vers 17 h 30 pour se rendre chez sa grand-mère, qui n'habite vraiment pas loin, mais elle n'y arrivera jamais. Lors des recherches, son vélo est retrouvé le même soir au bas de l'escalier permettant d'accéder à la salle de gymnastique. Vers 19 h, deux jeunes avaient aperçu Sarah dans la cour d'école qui se situe à environ 50 mètres de sa maison. Les jours suivants, des recherches intensives ont été effectuées et un vaste secteur entre Ried et Martigny ont été fouillés minutieusement.
ainsi que les habitations du village. Même l'armée a participé, mais malgré ça, Sarah reste introuvable. Une récompense de 50 000 francs a été offerte pour tout renseignement, mais ça n'a rien donné. À ce jour, Sarah est toujours portée disparue. Edith Trittenbass est née le 18 septembre 1978 à Gaas-Wensikon. Le 3 mai 1986, vers 8 h du matin, Edith quitte sa maison de Gaas-Wensikon pour aller à l'école à pied. Mais elle n'arrivera jamais. Malgré de nombreuses recherches et une récompense de 20 000 francs, Edith n'a jamais été retrouvée. À ce jour, elle est toujours portée disparue. Voilà, cette vidéo est finie. Je sais qu'elle est courte. J'espère tout de même qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!